Ça va, ma chérie? Il est où, papa? Encore en train d'écrire, je parie. De toute façon, il sait faire que ça. Tu sais qu'il t'aime, ton papa? Il est juste un peu ailleurs en ce moment, c'est vrai. Je vais voir où il est. Je reviens, d'accord? Daniel, t'as une minute? Daniel! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une fille au cas où tu l'aurais oubliée. Tu passes plus de temps à écrire sur la schizophrénique avec elle. Sur ton torchon qui nous pourrit la vie. Tant que je n'aurai pas terminé, je ne m'arrêterai pas d'écrire. C'est pour Angelo que je m'entête à trouver des réponses à la pathologie psychique. Ce torchon, comme tu dis, a bien plus de valeur à mes yeux que tu n'en auras jamais. T'es devenu si cruel. Excuse-moi, Nat, je suis emporté, je n'aurais pas dû. Angelo n'existe pas. Tu deviens complètement fou, quoi. Tu comprends pas que c'est un personnage fictif que tu as créé pour ton livre? Tu t'es permis de lire mon livre? Et en plus tu oses prétendre que j'ai créé Angelo, mais c'est toi qui es folle alliée. C'est à cause de gens comme toi que la société est devenue allergique aux schizophrènes. Continue d'écrire, Daniel. Nina et moi, on s'en va. Par habiter ailleurs. T'inquiète pas, Angelo. Elle va revenir. Tu n'as aucune raison d'être triste. Pensez encore à lui, n'est-ce pas? Il faut que vous aidiez Daniel. Je vous en supplie, docteur. Ça fait une semaine qu'il reste enfermé chez lui. Il fait des crises sur crises. C'est son soi-disant meilleur ami William Loué qui m'en a informé au téléphone. C'est comme ça que je l'ai su. Seulement... Seulement? Seulement, c'était la voix de Daniel. Ce William n'existe que dans son roman. Ça a démarré au début avec le personnage central de son livre, Angelo Caduto. Il a commencé à s'y attacher virtuellement au début, et puis... Je sais pas, Daniel est persuadé que les personnages de son livre sont réels. Dans son manuscrit, Nabis est censé être un hôpital psychiatrique coupé du monde. Nabis, un hôpital psychiatrique coupé du monde. Angelo Caduto, c'est ça? Et William Loué. D'autres personnages du roman de Daniel vous viennent à l'esprit? Je vous ai apporté un manuscrit de mon mari, si ça peut vous aider. Ah, sûrement. Bon. Écoutez, madame Valerio, si un seul de ces personnages fictifs sait qu'il est malade, cela signifie qu'il peut guérir. Mais pas sans aide. Je vais être franc avec vous. Il va falloir que je le fasse interner. Pardon? Momentanément. Vous savez, tous les médicaments ne peuvent pas l'aider. Je vais devoir l'étudier et appréhender au mieux la façon dont je vais pouvoir le guérir. Ce n'est pas un malade ordinaire, vous savez. Très bien. Merci, docteur. Daniel, il faut que j'ouvre. Ça doit être William. C'est mon meilleur ami. Hors de question qu'il prenne ma place. C'est moi le personnage central de l'histoire. C'est compris? Vas-y, va maintenant rejoindre ton ami William. William. Daniel, t'as pas l'air bien. T'apportes pas des bonnes nouvelles. Angelo. Il est là. Il m'a parlé toute la journée. Je voulais l'aider, mais il a changé. J'ai vu les infos. Il a tout trafiqué pour me rendre aussi fou que lui. Ma femme et ma fille ne sont pas mortes. Daniel, écoute-moi. Il n'y a personne à part nous ici. Je suis venu te voir parce que ta femme, elle s'est suicidée. Ne l'écoute pas, il ment. Je parie qu'il se tape ta femme à l'heure qu'il est. Là-bas. Elle est en vie. Bute-moi ce connard, ou c'est moi qui le fais. Angelo, non, non. Mais à qui tu parles, bon sang? Ta femme est morte. La maison a explosé en emportant Nina avec elle. Je sais que tu as des problèmes. Tu as fait beaucoup de crises ces derniers temps, mais s'il te plaît, écoute-moi. Cet Angelo n'est pas réel. Et toi, t'es réel, peut-être. Daniel, c'est moi, Nathalie. On était bien avant, non? Ça, c'est de ta faute. Même si c'est moi qui ai allumé le gaz. Tu veux savoir ce qu'il reste de Nina? Tu veux le savoir, enfoiré? Des cendres et des os. 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 Papa, papa, pourquoi tu m'appelles ça, papa? Arrêtez, 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 mais... J'ai fait confiance en toi! Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est me ramener ton pote! Pour lui fourguer ma place! Ouais.